Alors, chez Ferrari, qu'est-ce que ça a donné? Des données précieuses ont été collectées. Sainz a été l'homme le plus rapide chez Ferrari, même si c'est très serré au final. Dans l'ensemble, une première journée positive, la fiabilité était bonne et nous avons pu rouler sans problème, couvrant l'ensemble du plan de course et recueillant des données précieuses. Ce qui est encourageant, on a bien progressé avec les réglages pendant la journée et nous avons également réussi à obtenir de bonnes lectures sur les pneus que nous avons testés à Abu Dhabi. Donc, dans l'ensemble, les progrès réalisés jusqu'à présent sont bons. J'ai hâte de continuer demain. Leclerc, nous avons une première journée d'essai bien remplie derrière nous. Nous avons effectué 64 tours de mon côté en testant un peu de tout. Nous sommes concentrés sur le travail de réglage, combiné à quelques tests de pneus aéro, ainsi qu'à des essais avec différents niveaux de carburant. On va maintenant analyser toutes nos données. J'attends avec impatience l'autre séance de demain. Bon, chez Ferrari, à part ce petit problème de nez bizarre dans la ligne droite, ça a l'air d'aller au final, hein. Donc ils ont l'air contents. Même si, effectivement, on a pu repérer qu'il y avait un peu de marsouinage sur cette Ferrari. Donc, à voir, à surveiller les prochains jours. Je vous laisse commenter.